panakate, yozali zambe na kuya, abayongo panakate, o zambe, yozo mokina loyebo, zamba asatu, zikana zombo la yoye, yozali zambe na kuya, abayongo panakate, yozali zambe mobalie, shikaro zikani zambe yawe. Yeah.
sorriso visa na boca uma casa e sussurro. Ozangi esengo liboso na kolo osepelaka lisusu liboso ya nani esengeli ntango nyonso ntango tozwami awa otondisa bakana esengo wana kolo apambola biso wi yebisa na nzambe ntongo na lelo afungola monoko ateya yo lisusu po ete bomoi na yo ebonga sambela na nkombo na yesu kristo kolo yesu kristo tozwamisi lokumu epa na yo mpo ete oza nzambe omotiba aseko nzambe libanda na yo mosika na yo tolo na yo oyo akokana nzambe yo nde motei mpe molobi malamu teyanga yawe nzambe na ntongo eya sika mpo ete bomoi na nga ebonga utilize puisama mongu mosali na yo mpo ete yo nde olobaki okozala mosali elongo na basali kati na elanga mpe okosala na bambuna yo epe lelo na moto. Merci Seigneur mpo ete yo okokokisa yango sala mpona lokumu na yo na nkombo na yo kolo mokonzi mpe mobikisi na biso yesu kristo olobi amen. Amen. Nzambe na basantu abambola moko na moko kati na bisika na nkombo na yesu kristo. Awi toza susu na esengo mpo ete kolo azokoba toujours kozwa biso en charge na molimo lokola na nzoto. Amen. Lelo mama mosusu nde azoleka nanu mama mosusu azoleka mpo aleisa biso mpo toyebi na ndako ya tata nzala ezalaka te. Awi mwana wana nde alobaki dans la maison de mon père il a des serviteurs qui ont du pain en abondance. Amen. Bon, on a des systèmes en Zambie, ça dit. Attends, enlèvement, il y a un peu de temps. Il y a un peu de distraction. Tongo, il y a des stages, il y a un peu de temps. Tantôt, il y a un peu de temps. 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 Vie programme tout ça dans mon pays à fin de l'année vie l'enseignement au bas de la vie à 7 jours les en a pas élément et belé yango et mon ami que sengeli moussakoli à koubanano puisque tant que tout ça comme un programme et ça et belé ouais pour ça la table sous bas après midi boué et vous allez moi caca. Yango esengeli makambo yango liteya wana tobenefisina na yango avant tokota na baperiode oyo tokokotela su balosambo ebele ebele kolo apambola biso na sengi na yo ozangisa ata ntongo moko te ozangisa mpe ata apres midi moko te mpo ntongo nyonso akobanda koteya mpe apres midi mardi ti vendredi akobanda mpe koteya apres midi nyonso. Et ça, mon qui toko vraiment, quand on a un zambé, bakasi, kozang sate, zambé a sougayo, ouye bisapé, nan de bonao, même mes voisins, na yoto sambé la kanaete, bobanda oya naye, ayo kamakambo, kola pambo la biso. Sans plus tarder, tout le missi, on s'abonne longo, na mobogo di kota, baya kote a biso, karibou. Que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour la moko na moko. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun de nous. Amen. Et tout à l'heure, le mana ici, on a tombé en alléluia le 23 novembre 2021. Et nous sommes tellement dans la joie de ce matin, du mardi 23 novembre. Oui, mardi. Et puis, 15 ans, Benda Mongisiri. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Et nous savons que c'est le Seigneur qui nous a préparé le jour d'aujourd'hui. Ce n'est nullement par nos propres forces que nous avons acquis ces temps. Mais c'est la grâce de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Acclamation. Il mérite les acclamations. Honneur, louange, l'honneur et les louanges sont à lui. Nous continuons notre enseignement sur les sept sceaux. Nous continuons notre enseignement sur les sept sceaux d'Apocalypse. Et que le Seigneur a pambola yo. Que le Seigneur te bénisse. En ligne, et tout un chacun qui nous suit en ligne, il se retrouve. Nous continuons notre enseignement Awana, l'église de Saint Ariwara. Nous continuons notre enseignement ici dans l'église de Saint Ariwara. À l'est toujours il y a Congo. Toujours à l'est de la République démocratique du Congo, la RDC. Province de Ituri. C'est l'Ituri. Et Kolapambo la Bébina besoin d'un abisso musika. Et que le Seigneur vous bénisse vous aussi qui nous suivez de loin. Et nos lecture n'a vu sur la sixième saut. Nous prenons notre lecture du sixième saut. À partir du verset 12e. Nous prenons le verset 12. Et le verset 17e, 18e. Jusqu'au verset 17. Le verset 17e. Nous lisons le nom de Jésus-Christ, pasteur sur la Bolibola. Amen. J'ai regardé quand il ouvrit les sixième sceaux. Et il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Sansa mobimba et komaki lokola makila. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Minzoto na likolo et koyaki na mabele. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Lokola mosuke oyo eningisami na mopepe ya makasi ezali kokwaka kasala yango. Des figues bamboma, jette des figues vertes. Et bien, ils ont quoi qu'à bamboma, il y a un bébé sur ça. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Makolo et Bendanaki, Lokola, Buku Oyo, Basali, Kokanga. Toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. Bamboma Nyonso, Bé. Bisanganyoso et bimaki etope na bisika yango. Les rois de la terre, bakonzi na mabele, les grands, bato minene, les chefs militaires, bakonzi na bambolombolo, les riches, bazui, les puissants, bato na nguya, tous les esclaves, baumbu nyoso, et les hommes libres, pe na bato baza na bosomi, se cachèrent dans les cavernes. Et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes. Et aux rochers. Tombez sur nous. Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Que Dieu bénisse cette lecture par sa grâce. Amen. Donc, on a noté Apocalypse 6, verset 12. Que
Que celui qui note puisse noter Apocalypse chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset 17. Nous savons que le Seigneur saura nous assister par sa grâce. Nous sommes appelés à vivre l'enlèvement. Nous ne sommes pas appelés à souffrir à la fin dans le feu éternel. Parce que Christ est mort pour nous. Oui, que Christ soit koufakande pour natina na biso. Quelles que soient nos faiblesses, il faut qu'on toujours par Christ. Il faut toujours fuir vers le Christ Jésus. C'est lui qui avait dit qu'il ne se lassera pas de toi. Bible dit qu'il est le Dieu prêt à pardonner. Bible le dit qu'il est le Dieu prêt à pardonner. Place, il faut qu'il y ait une place pour qu'il y ait une vie. Ils en est pas Christ. Là où tu dois te rendre pour ta vie, c'est vers Christ Jésus. Azal avocat auprès du Père. Azali oya sambele la kabiso pene ya tata tu pa ya tata. Yenda zana makokia kobongisa nga na yo. C'est lui qui a la capacité de nous préparer, toi et moi, de nous perfectionner. Parce que Bible le dit. Parce que la Bible dit. Yeo ya benga biso. Lui qui nous a appelés. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Dans verset 23. Au verset 23. Dans le verset 26 et dans verset 25. Jusqu'au verset 25. Oui, oya benga biso. Lui qui nous a appelés. Yenda moye makubuli sabiso. C'est lui qui saura aussi nous sanctifier. Il a la manière dont il doit te garder, te protéger. Et d'enlever tous ceux qui ne donnent pas gloire à son nom dans ta vie. Nazu verset 23 à 25. Le verset 23 jusqu'au verset 25. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Nzambe ya kimia a bulisa bino nyoso na mubimba na bino. Ko bulisa etarisa kapoe. La sanctification signifie ko kabola yo na mabe. De te séparer du mal. Omoni lokola Israël azalaki na Égypte. Vous voyez par exemple Israël comme il était en Égypte. Nakati un peuple barbare. Parmi le peuple barbare, Libota Bayaouli. Zambe a bongisa qui a sanctifié Israël. Le Seigneur avait préparé de sanctifier Israël. Yangone psaume 114, Zoloba. Et c'est ce que dit psaume 114. Dieu l'a séparé avec un peuple barbare. Zambe a kabouli na Libota Moko ya Bayaouli. Mais c'est par la parole. Il a pris la parole et l'a donnée à Moïse. Parole wana eye na Égypte. Et cette parole est venue en Égypte. Et zalaki pour sanctifier Israël. Et c'était pour sanctifier Israël. Donc et kabolié na Égypte. Donc cette parole l'a séparé de l'Égypte. C'est Dieu qui a fait ça. Et zali zamede à Salamo. Dans son programme à lui. De même aujourd'hui, la manière dont nous étions dans le monde, en vivant une mauvaise vie du péché, la parole est venue nous chercher et nous a sanctifiés, nous a séparés du mal du péché. Maintenant, la parole a un rôle ya kokambola yo na oyo Dieu se zamabe na molimo na yo na kati na yo. Et la parole a pour rôle de te séparer de tout ce qui est mal dans ton esprit. Na lolenge na yo ya nzoto kolata na yo kopikela na yo ya nzoto. Donc dans ton corps, ta manière de vivre, de se vivre. Na kolomba na yo, ta manière de na bizali na yo, dans ta conduite. Dieu est capable à consentir.
Nzambe asali na makoki ya kokabola yo kopulisa yo mosika ya mabe nyonso wana. C'est comme ça il faut croire. Et bongo desenge na yo. Donc yango nde le frère Paul a zoloba. Et c'est ce que nous dit le frère Paul. Que les dieux ne peuvent vous sanctifier lui-même tout entier. Tika ete Nzambe na kimia apulisa bino ye moko na mobimba na bino. Il faut qu'on dit mango bongo. Il faut croire à cette parole telle qu'elle est. Nzambe ndazo kabela yo na mabenyo. C'est le Seigneur qui te sanctifie de tout mal. Et que tout votre être. Et te momoto na bino nyoso. Ah, nazana 1 Thessaloniciens 5, verset 23. L'esprit. Molimo. L'âme. Molema. Et le corps. Pezoto. Soit conservé irrépréhensible. Et batte la manzanga di tono pe atama be moko. Oh, Nzamba Soubangaï. Que le Seigneur me fasse grâce. Parce que mon tonaï moga gosale loko mokote. Parce que l'homme de lui-même ne peut rien faire. Et zala gande ngolo na Nzambe. C'est la grâce de Dieu bien-aimé. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous a appelé fidèle. Et c'est lui qui le fera. Nous disons amen à cette parole. Amen. C'est Dieu qui le fera. Pose à la sans tâche. Pour que tu sois sans tâche. Ni ride. Aucune faute ou erreur en toi, dans ta manière de vivre, dans tes pensées, dans tes paroles, c'est Dieu qui le fera. Et ça lit sa mène à Kosalaka. Et Jean chapitre 1 le dit. Jean chapitre 1 le dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Les dieux qui le fera s'appelle la parole. Amen. Donc ceux qui ont négligé la parole, si quelqu'un néglige la parole, donc il ne verra pas non plus cette œuvre là en lui. Parce que c'est Dieu qui doit faire ça. Ça s'appelle la parole de Dieu. Combo na ye liloba ya Nzambe. Et Dieu bénisse. Amen. Et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ a béni biso ye ndazo bongisa biso. Et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelés, c'est lui qui nous sanctifie, nous prépare. Et le texte ototangi na Apocalypse 6 à partir du verset 12. Et le texte que nous venons de lire dans Apocalypse 6 à partir du verset 12. Ezali le sixième psaume à Benyango. C'est le sixième psaume qu'on appelle. Na verset 15. Au verset 15. Ti na verset 16 na 17. Jusqu'au verset 16 et 17. Nous avons remarqué d'abord la portion du verset 16. La portion du verset 16. Ezali la colère de l'agneau. Quel tokanda ya mwana pate. Donc, tant que tout le monde dans le verset 16, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et devant la colère de l'agneau. Donc sixième psaume. C'est la colère de l'agneau. Et zali kanda ya mwana pate. Babengi yango lisusu na verset 17. On l'a appelé encore au verset 17. Fobosalaka effort bosala ba ba ba. Équilibre et un équipement et quoi ils ont raté et quoi ils bébissent vraiment le son et quoi ça les emmounait soyez pas pour gérer les capasons arrangeurs de son car le grand jour de sa colère est venu
Et qui peut subsister. Le sixième saut, Ezali, la colère de l'agneau, Ezali, kanda ya mwana pate, Ezali, les grands jours de sa colère aussi. Mokolo ya monene ya kanda na ye. Yango nde tokomona na kata sixième saut lolenge yango ekozala. C'est ce que nous allons voir dans le sixième saut. Na kati na yango tokomona le programme ya vengeance lolenge ya classé. Et dans le sixième saut, nous allons voir les classements du programme de la vengeance de Dieu. Makambo nyonso yango yango eya. Toute chose avant qu'elle n'arrive, le Seigneur a bongi ce qui a été déjà bien avant. Le Seigneur l'avait déjà bien avant préparé. Donc, il y a un tout temps dans Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9e à 10e. C'est pourquoi nous lisons toujours Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9 à 10. Ce qui a été, Oyo Ezalaka, c'est ce qui sera. Ne Oyo Koyaka. Dieu ramène ce qui est passé. Sabe aso isakaka kamayolika. Dans ma kambonyon soyo ako sala. Donc tout ce que le Seigneur fera dans la suite des temps. Abongisa ngo déjà. Le Seigneur l'avait déjà préparé. A classa bololenge yango ekozala. Il avait déjà classé comment est-ce que cela sera. Donc bon à comprendre bon à ce qui a na ce qui sera. Donc pour comprendre les choses dans la réalité qui viendra. Donc, dans Apocalypse, il faut toujours regarder dans ce qui a été dans l'ombre. Quand on entend le sixième saut, lorsque nous lisons le sixième saut, nous remarquons ceci, bien aimé. Au verset 12e, temps de fondement. Au verset 12, lorsqu'on ouvre le sixième saut, nous lisons encore au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième saut. Et il y eut un grand tremblement de terre. Donc, on a quitté le sixième saut. Donc, dans le sixième saut, la colère de Dieu. Oui, on va bien aussi la colère de l'agneau. Oui, la manière dont on la montre. Va présenter tremblement de terre. On présente le tremblement de terre qu'on ingane à ma belle. Yango il faut totalement l'olenge ni nzamba bongi saki yango d'abord na isakwili. C'est pourquoi nous devons voir comment est-ce que le Seigneur l'avait préparé dans la prophétie. Des 12 Agé 2. C'est pourquoi nous prenons les livres du prophète Agé au chapitre 2. Agé chapitre 2e. Agé 2. Agé chapitre 2. Tous à partir du verset 6e. Nous prenons à partir du verset 6. Agé 2, le Seigneur a un programme mini. Quel est le programme qu'a le Seigneur dans Agé 2? Totalement dans le verset 22e, après nous allons dans le verset 6e. Nous regardons le verset 22 et nous rentrerons au verset 6. Nous allons dans le verset 6 et dans le verset 9. Dans le verset 22e. Au verset 22e. J'ai le nom de Jésus-Christ, Agé 2. Amen. Je renverserai les trônes des royaumes. Nakukui saka mwende moko iyaba bikolo. Donc, n'est-ce qu'il colo ezali na mabele? Donc, comme il y a deux royaumes sur la terre, ezana mwende moko ezali kolo iyaba bokundi nyonso ezana mabele. Donc, il y a un trône au-dessus de tous les royaumes qui sont sur la terre. Royaume nyonso ezali ba trône ya mike mike mike. Et tous ces royaumes-là sont des petits trônes. Mais un trône moko ezali kolo ya ba trône nyonso. Mais il y a un trône au-dessus de tout ce trône-là. Trône wana tomonaki yango na Apocalypse aussi tantôt zai kosolola déjà. Et ce trône-là nous l'avions déjà vu dans Apocalypse et dans nos entretiens passés. Donc on a qui la bête. On avait vu la bête. Oui, ça a qui dit Koloyamai en Apocalypse 13, verset 1er. Qui était sur.
sur les eaux dans Apocalypse 13, le verset 1er. Tangwaza blessé. Lorsque la bête est blessée, Tomoni na Apocalypse 17. Nous voyons dans Apocalypse 17. Dans verset 15e. Au verset 15. La prostituée a remplacé place wana ki koloya mai. C'est la prostituée qui a remplacé sur. Qui l'a remplacé sur les eaux. Donc continuez autant d'Apocalypse 17. On avait continué la lecture d'Apocalypse 17. Dans le verset 18. Au verset 18. Malobi, cette femme, c'est la grande ville. Moi, sur Ezali Ngumba Monene. Il y a la royauté. Où Ezali Nabukumu Bokoti. Sur les rois de la terre. Likola Bakumu Nyonso Yamane. Vous aurez la royauté, donc il y a un trône. Donc avoir la royauté, c'est comme un trône. Sur les rois de la terre, donc sur les royaumes Nyonso. Likolo Yabakumu Yamabene, donc tout le royaume. Là, ton moni va partir une femme prostituée. Et là, on voit nous présenter une femme prostituée. Azana, trône, Nicolas, ma royaume, qui possède un trône au-dessus de tout le royaume. Nakati na yeto zomo na ce pouvoir royal. Et dans cette femme, on voit le pouvoir royal de la bête. Yamoni to exprima qui tenit oya l'attaque na Apocalypse 17. C'est pourquoi nous avions parlé de la tenue qu'elle avait portée dans Apocalypse 17. Elle avait un vêtement de pourpre. Et ce vêtement-là représente la royauté. Dans Agée chapitre 2, le Seigneur prophétise. Il faut renverser les trônes. Donc le Seigneur a quoi ça qui est au-dessus de tout le royaume. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et les cavaliers seront abattus. Maintenant, je vais expliquer le lengeni na ko renverser l'un par l'épée de l'autre. Kasi kosale mamoko na mupanga ya mususu. Donc ils ont la bato bazala ki koyoka na bien. Donc c'était les gens qui étaient en alliance, mais pas kopunda entre pas. Mais qui vont commencer à s'entretuer. C'est le Seigneur qui mettra ses troubles comme lui-même l'a dit. C'est pourquoi nous rentrons au verset 6 d'Agé. Ici nous montrons que le sixième saut, ils ont avec tremblement de terre. Commence avec les tremblements de terre. Ezaka tremblement de terre, tes sont continuer dans verset 12e là. Le Seigneur a bougé aussi les ciels. Ce n'est pas seulement les tremblements de terre, mais aussi le tremblement ou l'ébranlement des cieux. Maintenant, total, Agé 2 à partir du verset 6e. Agé chapitre 2 à partir du verset 6. 10, verset 9e. Jusqu'au verset 9. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Wete boye elobi Yahweh na bibele. Encore un peu de temps. Kaka lisusu tango mokie. Et je branlerai les cieux. Pe na koningisaka makolo. Et la terre. Pe mabele. La mer. Oezali maimonene ambu. Elle est sainte. Pe mabele koka ukra. Je branlerai. Na koningisaka. Et Goya Kaizana Fitir par rapport à Maloba Oyo Asha Zoroba. Ce sont des choses qui viendront dans la suite des temps par rapport aux paroles d'Agé. Ils ont ça de manière à GT. Ces choses-là ne s'appellent pas du temps du prophète Agé. Comme la prophétie. L'Ogola Isakwen. Et annonçaka Makambo Ezoya. Ilobaka makambo ekuya. Et bon, la lecture y a temps. La prophétie fait la lecture du temps. Yango Agé amoni par la grâce que le Seigneur a tiré na katina ye. C'est pourquoi le prophète a vu par la grâce que le Seigneur avait mise en lui. Que le Seigneur ébranlera. Nkolo akoningisaka ekuya. Nikolo. Le cieux. Pe. Nase.
et la terre. Mai la mer pe mabele ya kokamba et le sec. Maintenant, quand nous continuons la lecture, maintenant en continuant notre lecture, verset 7, hein? Le verset 7. J'ébranlerai toutes les nations. Na koningi saka bikolonyo sur mabele. Donc c'est bien quand vous ébranlez la terre, au moins ningisi mabele selon la prophétie. C'est bien que vous allez le voir ébranler la terre prophétiquement. Mais na kati nango il y a toutes les nations. Mais dans cet ébranlement de la terre, ezalina ba bikolonyo sur la carte. Parce que les nations sont des royaumes. Oui, te bikolo ezali. Le Seigneur a présenté le royaume en forme de montagne prophétiquement. Et le Seigneur dans la prophétie présente les nations comme des montagnes. C'est pourquoi nous voyons au sixième saut. Azo ébranler des montagnes. C'est ébranler les royaumes aussi de la terre. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. Deux versets. Ayant d'abord ces deux versets là. Verset 6 dans 7. Le verset 6 et 7. Il y a Agé 2. Chapitre 2. Pétoluk accomplissement na yamon. Et cherchant son accomplissement. Maintenant, la définition y a ba mot est dans la Bible. Maintenant, les définitions de mots qui sont dans la Bible. Nous ne les aurons que dans la Bible. Na écriture sainte. Dans le saint des écritures. Panibanda. Et non en dehors des écritures. Maintenant il faut comprendre ébranler. Maintenant nous devons comprendre koningisa. Yango totali Hébreux 12. C'est pourquoi nous utilisons Hébreux 12. À partir du verset 27. À partir du verset 27. Na Hébreux 12. Dans Hébreux chapitre 12. Parce que nous sommes en âge. Parce qu'on vient de lire d'ailleurs. Le Seigneur ébranlera le ciel. Et il ébranlera aussi la terre. Il ébranlera la mer. Et le sec. Maintenant, nous devons voir la signification du langage d'ébranler. Parce que déjà, tout le monde en a début à sixième saut. Parce qu'on vient de lire au début du sixième saut. Dans verset 12 d'Apocalypse 6. Au verset 12 d'Apocalypse 6. Et Zolo Bela sur l'ébranlement et la terre. Là-bas, on nous parle sur Koningana Yamabele. Et l'autre, on a déjà agé à la Katia. Et cette chose, Agé l'avait déjà promise. Maintenant, c'est que dit tout le monde dans le langage de Koningana. Maintenant, nous devons voir ce que signifie ébranlement ou tremblement. Parce qu'elle est là. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé. Tout le monde a la situation et ça n'est pas qu'à Namabele. Nous voyons des situations qui se passent sur la terre. Nangambo, parfois, il y a le Japon. Du côté parfois du Japon là-bas. Misu se serema ki na dernièrement na Goma. Et dernièrement c'était passé à Goma. Tumona ki pe mabele lingani. On avait vu la terre s'ébranler, les tremblements de terre. Est-ce que yangonde AGT? Est-ce que c'est ce que nous parle AGT? Eza motuna. Ce n'est qu'une question. Donc on répondra toujours. Nous allons toujours donner une réponse à cela. Et Dieu bénisse. Amen. Parce que tout le monde a tremblement de terre. Et lorsque nous voyons tremblement de terre, sixième saut, tout le monde a colombé. Ah, et ça n'est pas à Goma. Ah, cela s'est passé à Goma. Un jour à Goma, la terre trembla. Un serviteur aussi peut prêcher pareil, surtout dans les églises de réveil. Ensemble des saints dans l'église de réveil. L'ensemble des saints, l'église de réveil. L'église parole. Nous sommes l'église parole. Parce que l'église c'est la femme.
Oui, t'es Zali. Et pour porter le nom de l'époux. Pécolata de Kombo ya Mobali, naïe Alibala. Tango Mobali Kombo naïza Mathieu. Si l'époux s'appellerait Mathieu. Et que la Bali Moissi naïe. Et qu'il vienne épouser sa femme. Naza Maman Mathieu. Oko identifier Moissi wana na Mathieu. Tu vas identifier cette femme à Mathieu. Et ça grave, mon talomi gaza, moi si y'a moto, mais ma kambo y'a moto, ana tous à kambo te. C'est grave qu'une femme se réclame être l'épouse de quelqu'un, mais qu'elle n'obéit pas aux ordres ou aux commandements de son mari. Cela veut dire qu'elle n'est pas non plus l'épouse de cet homme-là. C'est la parole de Dieu. L'époux, c'est la parole de Dieu. La parole est l'homie. La parole dit. Voilà ta bijouter. Il ne faut pas te parer de bijoux. Si tu veux prier, c'est pas mon tour. Voile-toi la tête. Mais tu n'obéis pas à ton époux. Alors tu es dans quel mariage? Il a dit, il faut bien garder ton corps. Tu portes une courte jupe. Tu n'es pas dans ces mariages-là, bien-aimé. Donc l'église, il faut vraiment la parole. L'église, on doit voir la parole en elle. C'est très important. Les aliments, tout y a connu. La parole de Dieu nous montre dans l'écriture que nous voulons lire dans verset 27. Hébreu 12, le verset 27. Nabali même na 26. Je commence même à partir du verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lui dont la voix alors ébranla la terre. Wana emingisa ezande na Sinaï. Là, ébranlé là, c'était à Sinaï sur la montagne. Ébranla. Emingisa kala. Ezana temps passé. Donc c'est au passé. Bazozo d'abord l'olinga kitaki na Sinaï. On prend d'abord comment est-ce que le Seigneur était descendu sur la montagne. Et comment Exode 19. Et comment dans Exode 19? Emingisa. Il avait ébranlé, fait trembler la terre. Il y avait des tonnerres et des éclairs. Et ça là qui n'a pas caqué, pémicali. Qu'est-ce que c'est ça? Le Seigneur avait pris le ciel et l'avait fait descendre sur la terre. De la même manière qu'il y a l'aspect de la pluie. La pluie, lorsqu'elle veut tomber sur la terre, il y a des éclairs, et ça, il y a des, cali cali, des tremblements, kuningana, à tonnerre, et c'est ce qui était sur la montagne de Sinaï. L'aspect de la pluie qui est la parole de la loi. Et cela représentait la pluie qui est la parole de la loi. Lui dont la voix ébranla la terre. Et qui maintenant a fait cette promesse? Une fois encore, je prendrai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Maintenant, Balobi, c'est une promesse qu'il a fait. Mais on dit Ezali et la Kao Yasali. Paul prend cette écriture dans AG2. Maintenant, Azo explique dans verset 27. Maintenant, il explique au verset 27. Ces mots, une fois encore, Maloba Oyo, Malamokoli, Pelisusuna Kobandela, indique les changements des choses ébranlées. Ezotalisa Mbongwane Amakamboyo et Ningani, comme étant faites pour un temps. Afin que les choses inébranlables subsistent. Comme il a promis dans AG chapitre 2, qu'il va ébranler la terre, qu'il va ébranler la mer, qu'il va ébranler les cieux. Hébreu le dit,
bongwana ya makambo. Hébreu dit que cela montre ou indique le changement des choses. Donc, comprendre l'ébranlement où nous en basons dans AGD. Nous comprenons que l'ébranlement dont le Seigneur nous parle dans AGD. Va changer makambo. Donc, le Seigneur veut changer les choses. Donc, ce qui peut indiquer tous avakina na boyukanya kala. Si nous savons que nous étions dans l'ancienne alliance et que ayaki kokola apesi boyukanya yasika et qu'il était venu changer pour donner la nouvelle alliance, il faut na changement wana et prendre maiza. Il faut que dans ce changement là qu'il puisse se passer un ébranlement. Ce qui si le Seigneur a besoin d'ôter ou d'écarter la domination qui est sur la terre, pour établir sa propre domination sur la terre, que nous appelons le règne millénaire, il faut ébranler ça la poésie, changement des choses. Il faut qu'il y ait d'abord ébranlement pour qu'il y ait changement des choses sur la terre. Et nous avons vu comme Jésus-Christ était venu ôter la loi. Donc conquérir la loi. Donc accomplir la loi. Pour appeler sa maintenant grâce. Pour maintenant donner la grâce. Jour à jour. Le jour où il mourait. A ébranlé qui les siens. A ningi saka nikolo. A ébranlé la terre. A ningi saka pe. Parce que ébranlement, ils ont indiqué changement. Parce que cet ébranlement ou ce tremblement est allé à la bonne année. Il fallait qu'il puisse ôter les sacerdoces lévitiques. Après ça, sacerdoce, il y a vie impérissable, royale. Pour donner les sacerdoces de la vie impérissable. Parce que on est Hébreux 12, parce que c'est ce que nous dit Hébreux 12. Ébranlement, tremblement. Ébranlement ou les tremblements. Ils ont indiqué changement. Ils ont tabissé un bon guana. Et tout le monde dit amen. Et nous disons amen à cette parole. Parce que c'est que le Seigneur. Et c'est que le Seigneur. Ayaki Kusala. C'est que le Seigneur était venu. Et Zalaki pour accomplir toute la loi. C'était pour accomplir la loi. A changé sacerdoce. Changer de sacerdoce. C'est pourquoi a changé qui. Parce qu'il, c'est pourquoi il avait ébranlé les cieux pendant le jour les ténèbres sont entrées sur la terre. Lorsqu'il a rendu l'âme et la terre trembla. Un soldat qui était là, soldat mon voisin, a dit réellement, celui-ci est un fils de Dieu. Lorsqu'il a vu, il a vécu cet événement. Dieu est grand. Sa grandeur dépasse la bâtre. Et sa grandeur dépasse l'entendement des hommes. Et à continuer, Boyeke, cela indique un changement des choses. Et ça dit qu'on t'a dit ça bon bonheur à ma cambo. Là, dans le verset 27, il y a Hébreux 12. Au verset 27, Hébreux 12. Comme étant faite pour un temps. Afin que les choses inébranlables subsistent. Vous saisissez le sens. Si le Seigneur veut établir des choses qui demeurent éternellement, il faut ébranler. Il faut qu'il ébranle la terre et les cieux. Comme il veut ôter ou enlever, changer toute la vie de l'esclavagisme sur la terre, et que royauté n'a été s'établir, et que sa royauté puisse s'établir sur la terre. Il veut faire ces changements-là. À ça, là aussi, que Israël a l'ongwa na loi, parce qu'Israël a lié toujours na loi. Et qu'il fasse en sorte que Israël puisse quitter sous la loi, parce que jusqu'aujourd'hui, il est sous la loi. À côté la grâce. Pour entrer dans la grâce. Dieu doit ébranler. Zambé, c'est qu'il y a ningisa. Nous suivons attentivement. Donc c'est que les autres toujours s'introduire dans Yango. Donc aujourd'hui nous faisons l'introduction avec ceci. Sur le sixième psaume. Na
ndanga ya motoba na likambo etali ébranlement en ce qui concerne l'ébranlement et que le Seigneur Jésus-Christ apporte à vraiment richement et que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse richement et que la paix du Seigneur sarana yo mingi et que la paix du Seigneur soit ton partage en abondance Zambia suka après-midi lisusu tokutana à partir à 15h30 et que le Seigneur nous fasse grâce de nous croiser encore les après-midi pour notre continuer sixième saut pour continuer le sixième saut mais il faut débisser ma queue mais tu dois être personnel même dans ta vie à ta konabomo ina le Seigneur a secoua kapoa longola eloko eza yango te atia o eza yango le Seigneur est bon pour enlever ce qui ne convient pas afin d'établir ce qui convient au coqué kobike la makambo ya makasi menzamba zo changer au vie tu peux vivre des temps difficiles mais le Seigneur te change de vie vous arrêtez dans mon kiri tu étais dans parfois avec une facilité dans l'alliance parfois tu trouvais tout était facile mais Zambe a besoin à sokola yo mais le Seigneur a besoin de te purifier alongola yo na ngambo zalaki de t'enlever dans le côté où tu étais la chair est aussi bien un temps ya souffrance zone tu écoles qui s'attaque au moko ya passe ya mignon et ça toute limitation et ça li ko le kanda po mususu nezo sa il faut persévérer jusqu'à la fin seigneur na ta piko ki no suka passe wana ko sedete ya un bonheur et cette passe souffrance et ces moments que j'ose là kolu la bilongo esa passager te il ne faut pas envier des choses qui passent rapidement wana zara ki na facilité tant au messie wana zara ki koya j'avais la facilité lorsque ce monsieur là venait dans ma vie nazala ki kozwa facilement bongo j'avais facilement l'argent natala na lumina sambe natala ndenge makambo ko bikaka maintenant aujourd'hui en priant les choses deviennent difficiles accepte nima ya bongo zamba lo créé imitation zambe azali ko sala zo le kisayo na ngambo mosusu omito kisante ne t'inquiète de rien les dieux qui nous a appelé zambe oya benga biso et fidèle à cause sa caractère azali sain awanga na jamais promesse na ye il ne renie jamais sa promesse il faut na kati no ye ba ke soka bandi l'œuvre na kati na yo il faut savoir que s'il commence une œuvre en toi akokoma na motina suka le Seigneur la rendra parfait c'est son œuvre et sa mosala oya ye yo tika la kaka na makolo na ye toi demeure seulement sous ses pieds azana mosala na kati na yo il a l'œuvre à faire dans ta vie promisons qui s'assit matin ne recule pas bien aimé zala loin du péché zala musika disou loin des impuricités musika ya botumba linda que ta conscience est à la pure il faut aimer que ta conscience soit pure sanctifie toi vraiment Mipulisa totalisa kina debi que vous se sanctifiez c'est par la parole et nous avions montré au début que la sanctification c'est par la parole et par la prière na lo sambo s'attacher na zambo komona vie na yo échanger attache-toi à Dieu et tu verras le changement dans ta vie les grands changements ils allaient d'abord vie na kati na yo mboka ya monene ne bomo ikati na yo lisu mo ikonta yo isute que les péchés ne puissent plus te dominer donc lisu mo zo régner sous tes na pensée na yo na vie na yo. Que les péchés ne dominent plus dans ta vie, dans ta pensée. C'est ça le Seigneur qui dans ta vie n'a pas longoligo et ça inébranlable. C'est ça le Seigneur qui dans ta vie ôte ce qui est inébranlable. À établir et ça inébranlable la vie et la parole. Pour établir ce qui est inébranlable dans la vie et la parole. Et envoyez ce qui nous sont ensemble là. C'est pourquoi nous avons dit de toujours prier. Que ton règne vienne. Lelo reine na eza dans l'église. Aujourd'hui son règne c'est dans l'église. Pas na monde. Na mokilio yo dans nos têtes. 1 Jean 5:19 elobi. 1 Jean 5:19 nous dit. Le monde est sous la puissance du malin. Mokili ezali na se akuya ya Satana. Mais dans l'église Christ règne. Kasi l'église ya Christ dali ko kota. La parole domine. Que le Seigneur apporte à vous richement. Que le Seigneur te bénisse richement. Oui. Nous prions. Dieu de toute éternité, puissant sauveur du Père Jésus. Zambé à ses cognons sont Zambé Nambouya, Jésus Christ. Aussi qu'on est Zambé Nabiyano. Le grand rédacteur, le Dieu qui exauce. Aux Zambé à Kimia. Tu es le Dieu de paix.
Monana malamu na vie à ma sœur, na vie à mon frère. Sois favorable à la vie de ma sœur et à celle de mon frère. Grâce na yo et travailler na kati na ye. Que ta grâce puisse travailler en lui. Et si ka koka kite, Seigneur, là où il n'était pas parvenu, pardonne. Pardonne. Baisse ma coupe. Donne-lui les grâces. Tu avais dit sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sala grâce dans sa vie. Fais grâce dans sa vie. Il sur tout vent des ténèbres. De la mort au nom puissant de Jésus. Je m'y oppose au nom de Jésus Christ. Ta grâce est dominée vie à mon corps, à mon corps. Que ta grâce domine la vie de tout un chacun. Au régner, Seigneur. Règne au Dieu. Dans le cœur. Nakatia vie en dame. Dans le foyer. Na ma frère, nous sommes dans tout ça. Affaires de mon frère. Ma projet n'a hérésie au nom de Jésus Christ. Que les projets de bien-aimé réussissent au nom de Jésus Christ. Hérésie et Koluka n'a hérésie. Que ses activités réussissent. Ma bongo a bougi ça. L'argent qu'il a perdu. Et comment dit aux amis Dieu qui restaure. Il était qu'il s'appelait aux hommes qui s'accordent au Moukla. Zombi c'est la hérésie n'a bien au mon roi. Seigneur, restaure-le au nom de Jésus Christ. Et si ta coca qui te yo zala ma coquille pour n'a hérésie. Pas parvenu soit sa capacité. Ton nom seul est régné. Que ton nom seul règne. Maladie qui ment. Que la maladie fuit. Au nom puissant de Jésus Christ. N'a combo n'a pu Jésus Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Sambia Pamulayo.